Je peux pas écrire, moi. Moi qui sont contents d'en avoir terminé. Moi qui l'ai bien soutenu par ses collègues. Félicitations les garçons. Briefing de course qui sera précédé du briefing du corps arbitral. Merci aux triathlètes de s'être rapprochés de la zone de départ dans l'axe du podium animation. Allez les triathlètes, briefing du corps arbitral. Il n'y a pas d'eau. Allez. Félix, t'es 9 maximum, il y a des relais devant, ok? Juste devant, 9 maximum. Héloïse qui s'est donné à fond, comme vous pouvez le constater, qui est sortie en tête de la natation et des 40 km cycliste, qui a tout donné jusqu'au bout et qui, le point de ligne d'arrivée franchie, et bien se relâche totalement. Allez, on va souhaiter le meilleur à Héloïse qui, pour une autre féminine, franchir la ligne d'arrivée, alors que je me trouve debout. Héloïse, voilà, je t'invite à venir
bravo zone. Félix, bravo. Ne t'inquiète pas, il y a de quoi t'asseoir, il y a de quoi te mettre à l'ombre. On va te chouchouter, tout comme on a pu le faire avec la totalité des nombreux triathlètes sur les nombreuses courses aujourd'hui. Et Louise, que l'on retrouve debout, sourire aux lèvres. On attaque les catégories d'âge après les juniors hommes, on enchaîne avec les seniors femmes. Pour accompagner Félicie, on va donc appeler maintenant les sociétaires d'Aubagne Triathlon, les spectateurs, les supporters d'Aubagne qui étaient